Ok, alors, les Elytra fonctionnent. Le problème en fait venait du retour de l'End, comme pour le lit qui était occupé par un fantôme. Ça marche super bien. Même si ça a eu un peu de mal à se déclencher, on va pas se cacher que je l'ai refait 2-3 fois. Mais ça fonctionne. Hop, on va quand même reprendre le jetpack. Ok, on va dire que c'est les abeilles. Donc ouais, ça fonctionne. Je me suis pas trop renseigné sur des modes qui permettraient de combiner Elytra et Jetpack, mais ça doit sûrement exister. Pour cet épisode, on va s'occuper de la production électrique. Suite à une suggestion très pertinente dans les commentaires, nous allons construire un magma crucible. Relativement facile à faire, on va dire. Ça nécessitera un petit peu d'électrum, je crois qu'il m'en reste, et de l'or. Et donc ça servira à... Attends, ça fait pas que l'obsidienne? Ouais, c'est ça. Ça nous permettra de transformer la cobble en lave. Et avec ça, on peut faire un générateur magmatique. C'était ça. Est-ce qu'on peut le voir? C'est ça. Donc à partir de lave, 500 mm, c'est pas dégueulasse, si c'est bien ça, ça fait 40 RF par tick. Ce qui est quand même pas mal. Et donc, à partir du... C'était le magma crucible, donc il génère de la cobble en lave, la lave en électricité. On devrait avoir une production pas dégueulasse, sachant que la cobble on peut la faire tout simplement à partir d'une source de lave et d'eau, hein, comme dans le Minecraft classique. On pourrait donc se faire une petite machine, j'allais dire compacte mais pas forcément. En tout cas super efficace et je pense la faire là-dessous. Alors faut juste que je fasse gaffe au niveau des plantations, qui risquent d'être juste niveau hauteur. Hop. Donc les plantations qui sont à la hauteur 12, non, non, 92. Et le couloir qui serait en 91, c'est pas top. Du coup, il faudrait qu'on descende un tout petit peu. Ah oui. Ah oui, quand même. J'ai une solution, si je retrouve la scie. J'en avais une autre. J'ai peut-être mis ça dans le sac. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, hein, j'en ai pas besoin de deux. Est-ce qu'on peut pas les réparer? Ouais. Pardon? Il y a un petit problème là. Bah, on va dire que c'est normal. Je suis juste un petit peu compliqué les scies. Bon, pourquoi pas. Donc, à la base, moi je voulais faire ceci. Donc, faire le plus fin possible. Donc là, normalement, c'est le plus fin. Donc, si je vire tout ça. On devrait pouvoir cacher. Ah merde. Voilà. On devrait pouvoir cacher de l'extérieur. Ici, on s'en foutra complètement. Et donc, on pourrait faire notre salle ici. Ce qui me dérange un petit peu, c'est les sources d'eau. Mais on pourrait descendre un cran de plus. Du coup, je vais creuser une petite salle par ici et puis on va pouvoir commencer les machines. Ok, alors j'ai aucune idée de la place que ça prendra. Je vais garder. Ah, je pourrais d'ailleurs faire un escalier par là. Mais donc, ouais, je vais garder ça comme entrée. On mettra des portes ici, histoire de faire un truc clean. Et donc, j'aurai nos machines qui seront par là. Comme je disais, j'ai aucune idée de la place que ça prendra. Donc, on va prendre un petit peu au pif, sachant qu'il y aura donc le générateur à cobble qui sera là, des tuyaux. Le générateur à lave, des tuyaux et le générateur électrique. Avec, je pense, des étapes intermédiaires qui nous permettront par exemple de récupérer un coffre de cobble si besoin, un tank pour récupérer de la lave si besoin, et donc le coffre à la fin. Enfin non, pas le coffre, c'est l'électricité. Donc non, deux étapes intermédiaires, trois machines, des tuyaux, et deux, trois petits trucs intéressants qui seront à crafter. Alors, au début... On aura notre générateur à cobble. Donc ce sera une source de lave, une source d'eau, ainsi qu'un transfert node. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc pour les items, qui permettra de récupérer la cobble. Mais il faudra lui ajouter une upgrade. Alors je me souviens plus du nom. Ça va être chiant. Mais ça doit être ça. Donc upgrade mining, qui autorise donc à miner de la cobblestone et à pomper de l'eau. Mais moi je veux juste ça pour de la cobble. Donc. On a de la stone, un coffre, de la pierre lisse. Prends pas n'importe quel type de stone. Et un transfert pipes. Qui sort relativement facilement.
Ah, et donc une upgrade qui se fait à partir d'une plaque de pression en or et d'une pioche en or. Ça va, c'est pas trop cher. Alors, je vais déjà faire le générateur cobble. Par contre... Ouais, c'est ça. Donc on aura la cobble qui générera ici. Ensuite, donc il nous faudra... j'ai plus la recette sous les yeux. Donc le transfert node. On va essayer de se fabriquer tout de suite. Alors, il faudra de stone, du verre, du verre spécial. De la redstone, un machin comme ça qui se faisait. À partir de ça, je crois qu'il m'en reste. Ça se fait à partir de redstone. Ok. On va se préparer ça. Hop, avec ce clair glace, je dois voir ce qu'il faut. Donc, pour le transfert pipes, il nous faut des stone slabs. C'est mieux si je les fais. Hop, un stone slab qui nous donne des transfer pipes. Donc, un qui servira à crafter ça et les autres qui nous serviront à raccorder ce bordel vers un coffre. Je crois que c'est tout. Ensuite, le transfert node. Ah, t'es sérieux? Bah, si, j'en ai assez. Ah, c'est juste le coffre que j'ai pas fait. Et j'ai pas pris de bois. Là, plutôt que de le crafter, j'en ai. Ça sera beaucoup plus rapide. Hop, donc. Ce truc-là, on peut le faire. Jusque-là, on est d'accord. Ensuite, il y avait l'upgrade qui se fait ici. Donc, avec une pressure plate. Ok. Et une pioche. Voilà. Comme ça, on peut faire la fameuse upgrade. Avec ça marchera mieux. Ah, mais il fallait un résonateur, j'avais pas vu ça. Comment on fait cette merde? Est-ce que j'en ai toujours de ces merdes-là? Donc ça, j'ai un block of coal. On peut s'arranger. Une machine... Pardon. Attends, qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'avais pas vu ça. Tu te fous de ma gueule là. Pour un truc aussi simple. Juste pour une production électrique. Je veux savoir comment le faire. Ah, bordel de merde. Donc, je te dis, comment on fait ça? Oh punaise. Et c'est pourquoi que j'avais besoin de ça? Bordel de merde. Ça va prendre des plombes. Est-ce que on s'autoriserait pas une toute petite triche? J'ai pas envie de passer 2 heures sur une machine con. Ce soit normalement, te fous pas trop de ma gueule. Suffira une table de craft. Ou à la rigueur d'une presse que j'ai. Allez, aujourd'hui je suis pas d'humeur. Hop, d'habitude j'utilisais ça pour passer en spectateur pour faire des miniatures, mais là, tu me casses les noix. Voilà, allez hop. Et bim. Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Ouais, ma pioche. Voilà. Ça va peut-être aller, mais je m'en fous. Ok, on va pouvoir avancer. Donc, transfert node qui va aller contre ce truc-là. Avec upgrade qui va aller là, j'imagine. On dirait que ça marche. Ensuite, un tuyau. Et j'imagine que ça nécessiterait... Donc j'imagine que ça nécessitera de l'électricité. Qui va être casse burn à faire passer. Comment on va s'arranger? Est-ce que je peux pas faire un trou dans le plafond? Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Normalement, il m'en reste de ces trucs-là. Peut-être pas. Peut-être pas. Ok, non, il m'en restait pas.
Donc on va faire un relais. Bon, je fais de quoi relier électriquement et on se retrouve juste après. J'avais pas besoin de ces trucs-là. On va s'arranger. Allez hop, gold rod, redstone machin. Ouais, allez hop. On va pas s'embêter. Hop, ça va être accordé. Alors, par contre, où est-ce que je vais mettre ça? Merde, comment je mets de l'électricité à ce con? Bon, peut-être que il faudra raccorder au générateur. Et à travers ces tuyaux-là, ça fera le raccord. J'espère. Du coup, ça ne m'arrange pas. Ok. Ensuite, donc on avait le magma crucible qui est là. Donc ça, l'Electrum Rod, j'en avais besoin, il me faudra deux redstone wire coil que j'ai. Par contre, il m'en faudra deux de plus, que je n'ai pas. Aluminium wire, bon, tout ça peut se faire. Deux nether brick, doit m'en rester, sauf si ça a été perdu. Avec les disquettes, Invargear, ça se fait. Et ça se fait, même si c'est chiant. Donc je vais construire ça pour le magma crucible, et on se retrouve juste après pour le brancher. Magie. Bref. Oh putain. Ok. Normalement, j'ai tout pour le magma crucible. Je dis bien normalement. Hein. Ouais. Enfin. On va pouvoir aller brancher cette merde. Il faudra un tuyau pour relier de l'un à l'autre. Ou un hopper. Mais le hopper devrait être en dessous, donc ça va être chiant. On verra. Donc, un magma crucible qui devrait être relié électriquement, donc avec ça et ça. Hop. Donc, ça se relie électriquement. Si ça plante pas, c'est mieux. Et donc, on peut y foutre de la cobble. Qui petit à petit devrait nous générer de la lave. C'est quand même vachement long. Donc, on va le laisser tourner. On va aller faire le générateur pendant ce temps. Donc, qui était ici? Qui soit à partir d'un furnace générateur, ok. Qui soit à partir d'un redstone furnace et d'un machine block. Qui soit à partir de cette merde, putain. Ils vont pas me laisser tranquille avec ce truc. Bon, j'ai déjà fait ce truc-là. D'ailleurs, je l'ai jamais testé, je crois. Ça fonctionne comme un four normal, ça, ouais. Mais électrique. Je me demande si on peut pas l'utiliser dans la cuisine à la place de ce four-là qui consomme du charbon. Ce sera intéressant. Mais bon, pour le moment, donc on est au furnace generator. Du coup, qui va faire encore chier avec ça? J'ai vraiment pas envie pour cet épisode-là de me faire chier. Avec ça. Bon, c'est à partir de ça, le The Vat, d'ailleurs, qui se fait comment? Ça peut encore se faire. Ah, le smithers, c'était chiant, mais on peut refaire un autre sûrement. Ça, on peut le faire. Ça, j'en ai pas déjà fait un. Non, j'avais vidé. Mais je croyais avoir fait un pour une machine que j'avais pas utilisée au début. Alors, bref. Ça peut se faire, ça. Oh, punaise. Ça peut se faire. Mais donc, ouais, tout ce bordel, ça nécessiterait un épisode à part. Et là, j'ai pas vraiment envie de me faire chier. Je veux juste de quoi faire une production électrique. Du coup, on va se give le machine block. Qui nécessite du Mountain Dew que je ne peux pas faire. Hop. Et le reste, on va le faire en legit. Alors, magmatique, nécessite 4 iron plates, 2 redstone. Ça peut se faire. Et bim. Donc, pendant qu'il nous fallait les plaques, il nous fallait. C'est tout pour ça. Ensuite, il nous faudra de l'or que je n'ai pas sur moi, un seau de lave que je peux récupérer, et on sera bon avec deux redstone de plus. Allez hop. Ouais, donc ça se faisait. Ah merde. D'où j'en ai vu 4? Et derp. Donc, 5 plaques de fer. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je suis revenu ici, puisqu'on avait une table de craft là-bas, mais enfin. Hop, furnace générateur. À quoi ça sert? Attends. À partir de bois, est-ce que tu vas me générer de l'électricité? Ce serait génial.
Non, parce que ça fait pas partie de la grid. J'ai bien failli le péter. Si je vire ça. Je mets ça. Est-ce que tu me génères de l'électricité? Non, visiblement. Grid is overloaded, mais oui, mais... je veux bien. Ou alors il prend vraiment pas le charbon. Ce qui est tout à fait possible. Après, quand même, je suis curieux de voir si ça fonctionne avec du bois. Non. Il veut tout sauf ça. Allez, sois pas con. Ah, c'est quand même bizarre. Bah. Tant pis, on va pas se chercher plus longtemps avec ça. Je veux mon magmatic generator. Donc, tour de stone, tout ça. Et un saut de lave qui est en bas. Hop. Et donc, cette fois-ci, on a le magmatic generator qu'on pourra placer ici. Putain, c'est toujours pas fait, ça. Ah. Et pour une seule? Ok. Du coup, qu'est-ce que je voulais? Ouais, placer un seau. Ah, il m'a bouffé. Merde. Grid is overloaded, ok? Ça veut dire quoi? Que pouvons-nous faire? Se trouve, il est en dessous. Se trouve, la sortie est en dessous. Bah non. Ah, et j'ai perdu la lave que j'avais foutue dedans, évidemment. Pour le moment, je suis un petit peu coincé avec cette merde. Faut que je réfléchisse en off. Et éventuellement sur une map créa pour voir comment ça fonctionne facilement. Parce que là, ça commence à me gonfler. J'ai aucune idée de comment prendre l'électricité, pourquoi le grid qui est overloadé. Mais j'imagine que ça vient du grid power là, qui est ici. Puisque c'est relié à rien du tout. Alors autant ça fonctionne. C'est plutôt cool, même si une petite upgrade, ça lui ferait pas de mal. Autant ça et ça, ben, je suis un petit peu emmerdé, on va dire, clairement. Et du coup, c'était un semi-échec pour cet épisode-là. Puisque ça commence à durer, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, donc, je vais essayer de voir ça en off. Mais j'ai envie de passer à ce qui était prévu à l'origine pour cet épisode. C'est-à-dire planter tous ces trucs-là. Donc tout ça en arbre. D'ailleurs, ça n'utilisait pas des saplings. C'est ça. Donc à partir de saplings, que j'ai gardé par là, de 3 d'un fruit, on peut en faire un arbre. Et donc replanter tous ces trucs-là, ce qui m'arrangerait pas mal pour la bouffe. Et si on pouvait s'occuper des enderperles, ce serait cool aussi. Donc ouais, c'est ce que j'avais prévu à l'origine pour cet épisode-là. Et vu le fiasco, j'aurais peut-être mieux fait de le faire. Enfin, c'est pas trop grave. On verra ça la prochaine fois. On va essayer de moins se planter. Allez, salut et à très bientôt.